Hello tout le monde, c'est MLDG, bienvenue dans un nouvel épisode de Hyrule Warrior. Et dans cet épisode, nous allons faire la même chose qu'à l'épisode précédent, sauf que nous allons le faire non pas avec Sheik, mais avec Impa. Et on va essayer de le faire d'une traite cette fois, puisque la dernière fois, on se rappelle, j'avais perdu deux fois avant de vaincre Goma. Donc du coup, là, on va essayer de faire attention. Donc au niveau des épées que j'ai l'épée gravée et l'épée gravée avec attaque forte 3. On va prendre celle-là, évidemment, on n'est pas bête. Au niveau de ce qui va se passer ici, donc le blabla qu'on nous donne avant chaque chapitre, on va le passer parce que finalement c'est exactement la même chose. Donc dès que j'ai la possibilité de passer, je passe. Voilà, je passe. Et on va cliquer sur commencer une fois que le chargement aura fini de charger évidemment. Voilà, c'est parti mon ami. On pousse un peu la table et on est ready. Bon, par contre au niveau des cinématiques, je vais les laisser quand même si on les a déjà vues. Ça reste toujours très classe. Link, qui a toujours un grand sourire quand il se bat, lui. Mais qui es-tu? Et tu es la tête de ce groupe? En effet. Tu peux utiliser la magie, dirait-on. Où l'as-tu apprise? Comment ça, où? Je suis une sorcière, c'est tout. Je suis du même clan que Sia, celle qui contrôle ces monstres. Dans ce cas, j'ai quelque chose à te demander. Quel est le but de cette sorcière, Sia? Vous voulez savoir? Si vous nous prêtez main forte, je vous le dirai peut-être. Charmant. Bon bah du coup, on va lui prêter main forte et puis c'est tout. Hein. Ah, avec la super épée d'Impa, on va encore faire du grabuge. Let's go! Oh là 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 là, voilà, ça c'est bon. Et du coup, au niveau des objets, on va peut-être reprendre l'arc, vu qu'on l'a. Évidemment, on l'a récupéré à l'épisode précédent. Hein. Tac, 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 tac. Oh, ça fait mal. Donc là, on concentre. Bam! C'est bon ça. Bim! Ok. Donc, chef de poste, lui, il va mourir. Ensuite, on a le Baba Mojo. Ouh, c'est puissant ça. Le Baba Mojo, on va lui balancer. Flèche, bim. Comme ça, ça c'est fait. Donc dans cet épisode là, on va juste se contenter de faire le chapitre. Ouh, ça c'était bon ça. Ça c'était bon ça. Je disais, on va se contenter de faire le chapitre. De récupérer évidemment ce qui traîne un peu partout à droite à gauche. Et surtout de récupérer le quart de cœur qu'il manque. Parce qu'il y a un quart de cœur quelque part. Clac, ça dégage ça. Oh, il y a du monde là. Allez, tout d'un coup, bam, 49 KO, pas mal, pas mal, pas mal, mais peut mieux faire. On récupère ça. Oh, un chef de poste. Bonjour mon ami, tu vas pas durer longtemps. T'es mort, parfait. Je récupère ça. Mon dieu. Oh là là, c'est classe, hein. C'est vraiment classe. Toi tu vas mourir. Voilà. Là il y a quand même beaucoup de monde, hein. Même si le poste est à nous, il y a quand même du monde. Hein. Faudrait peut-être que les soldats d'Hyrule se bougent un peu le moignon. Alors ça, ça meurt. J'irai deux flèches. Oh, niveau 9, ça c'est bien. Ça aussi. Hé, hey, tu te calmes. Tu te calmes, j'ai dit. Hein. Il n'en reste plus qu'une. Et la dernière, elle est par là-bas. Juste là. On va se la faire. Voilà, super. Et par contre, il y a beaucoup de monde là. On fait le ménage, bim. On fait le ménage. Allez, combien de KO d'un coup là? Clac! 37, c'est pas mal. C'est un bon petit score. Par ici, on va récupérer le fort. Oh, tellement de classe quand même! Aïe 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 aïe. Ah, Impa, faut pas chier. Donc là, on a l'attaque d'eau. J'essaie de regarder un peu les combos en même temps. Déjà, je vais récupérer ça. Merci. Tac, 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 tac. Ensuite, il y a l'attaque d'eau. Ok. Je regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, il y a ça. Et ensuite, il y a ça. D'accord. Et si je continue d'appuyer, je peux encore faire très mal. Ça dégage. Ça, ça dégage. J'ai dit ça. Dégage. Ah, allez. Ah, peut-être que le boss du fort, il apparaisse là.
S'il te plaît. Le boss du fort est apparu. Et il s'est pris mon épée direct dans la tête et BAM! Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi le chef. Je récupère les petits rubis pour bébé. Par là-bas, nous avons quoi? Un cœur, on le prend quand même. Du coup, par ici. Par ici, il y a du monde. Il y a un peu de monde, ouais. Tiens, tu bouges pas, toi. Voilà, je t'apprends le respect. Viens par ici, par contre. Tac, 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 tac. On recule un peu. Oh, raté. Oh, voilà, ça c'est bon, ça. Tu meurs. Et mort, super. Clac. Par ici, quand il recommence à y avoir du monde. Bah, ils sont tous en train de se barrer. Donc, pour l'instant, ça peut le faire. Direction là-bas. Parce que par là-bas, il y a du monde. Ah oui, il y avait beaucoup de monde. Boum. Je crois qu'on va garder cette technique pour l'instant parce que ça va assez vite pour dégommer pas mal de monde en même temps. Ah oui, on peut voir au niveau de la jauge, ça descend pas mal. Hein. Clac, boum, allez le boss. Non, même pas. Dégagez, s'il vous plaît. Le boss est apparu. Allez, tac, 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 tac. C'est bon. On récupère ceci. On va récupérer Ruby là-bas. Ah, il y a beaucoup de monde là. Hein. Et ça d'un coup. Ça c'est bon ça. Boum. 45 KO. Ouais, ici il y a des. C'est pas des boss, mais c'est comme des mini-boss parce qu'ils sont quand même assez relous à vaincre. Tiens. On recule. Comme ça, dès qu'ils vont perdre. Voilà. J'attaque. Oh, raté. Recule. On attaque. Oui, c'est bon ça. On recule encore. Tiens, voilà, lui il a perdu. Voilà. Et toi tu vas pas tarder. Allez, tu vas mourir, oui. Je te donne plein de coups d'épée, voilà, tu meurs. C'est parfait. Je récupère ton matos au passage. Ouh, de la magie. Oh là-bas, il y a encore du matos à prendre. Voilà. On va se prendre la magie à fond. Venez par ici, mes amis. Tiens. Tout ce qu'il y a devant. Ouah. Ça c'est bon ça. Et donc le boss du fort il apparu où? Il est là. Bam. Et pas mort. Parce que je l'ai pas assez attaqué. Voilà, niveau supérieur, niveau 10. C'est bon ça d'être niveau 10. C'est rond, c'est propre. C'est classe. On va récupérer ça. Du coup par ici, il y a encore du monde. Hein. Chef de poste, bah oui, il y a du monde là. Tiens! Regarde ça! Apprécie mon geste! Ok. Il y a de la magie là, on va le prendre. Oh, j'ai eu un petit coup de ralentissement. Faut dire qu'en même temps, avec tout ce qu'il y a à l'écran, il y a de quoi avoir du ralentissement. Il y a encore une bestiole là-bas. Hein. Qu'est-ce que ça fout là? En difficulté, ouais, mais moi je peux pas tout faire non plus. Hein. Je vais mourir. Voilà! Tu meurs, c'est parfait. Je récupère ton matos. Ah ouais, mais là il y a de plus en plus de monde, ça va pas. Hein. Pourquoi ils apparaissent ceux-là? Tu veux mourir, oui. Tac. Oh. Voilà, tu es mort. Et je t'enchaîne. Je continue de t'enchaîner même si t'es mort, parce que j'aime bien. Voilà, je récupère ton matos. Je récupère ceci. Et du coup, on va se balader par là-bas, parce que là-bas, par là-bas, il y a du monde. Tac. Je voulais m'attaquer, mais je l'ai attaqué en premier et on a fait 34 KO, ce qui est pas mal. Et là. Recule. Tiens, 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 tiens. Et boum, clac. Ça, c'est bon, ça. Les tuer aussi rapidement, ça fait plaisir. Dégage de là. On récupère le matos avant que ça disparaisse. Enfin, ça disparaît pas, mais on récupère quand même. Clac, 900 KO, c'est bon, ça. Par ici, il y a toujours beaucoup de monde. Hein. Oh la vache. Allez, parce qu'il y a encore lui là. Recule. Allez, je t'enchaîne. Oh, raté. Recule. Et voilà le coup de grâce. Clac. Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Ah, c'est quand même puissant le coup de grâce. Hein. Là, c'est un coup de grâce. Bon, là, il y a trop de monde. Hein. Faites-moi un peu le ménage. Voilà. Du coup par là-bas la porte s'est ouverte et il y a du monde encore.
Et toujours. Ça, c'est l'intérieur de l'arbre Mojo. Alors, toi, tu vas... Oh. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien, j'ai dit. Oh la vache. Non. Non. Allez, attaque. Voilà, lui il est mort. Super, donne-moi ton matos. Comme ça j'attaque l'autre. Voilà. Recule, recule. Oh, tu as baissé ta garde, tu vas mourir. Clac. Super. Non mais tu te calmes, Shake. C'est bon, il est mort. Hein. Ouais, l'attaque que Shake vient de faire, je pouvais pas la faire moi, cette attaque-là. Mais au fur et à mesure du temps, on pourra la faire en débloquant des choses. Ouh, par là-bas, il y a du monde là. Clac. Et blam. Voilà, on fait le ménage. Ouh, là, il y a du monde aussi. Boum. Est-ce qu'il est mort, le chef de poste? Oui, il est mort, le chef de poste. Et là, il y a encore beaucoup de monde qui vient. Voilà, ça. Un petit brin de ménage aussi. Oh, l'arbre Mojo recommence à brûler. Je dis recommence parce que à l'épisode précédent, il avait déjà commencé à brûler, le pauvre. Allez, ça dégage tout ce qu'il y a là. Je crois qu'il y a lui qui est pas mort. Voilà, lui va mourir. Oui, il y a du matos, ça m'intéresse. Donc là, il faut vite aller chercher la grande fée. Tac, 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 tac. Boum. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Tu te calmes, toi. J'arrive. Hein. Voilà. Il y en aura pour tout le monde. Tu vas mourir maintenant. Tu vas mourir maintenant, j'ai dit. Meurs. Non. Voilà. J'ai le temps de le crever. Parfait. Ton matos, je récupère. Ça, je récupère. Le bal passe du coup, on l'a récupéré, ce qui est très bien. On récupère la magie. Peut-être qu'elle pourrait nous aider. Bien sûr qu'elle va nous aider. Elle est là pour. Chef de poste, on va le prendre. Tac, tac et tac. Voilà. Alors toi là-bas, j'ai vu que tu avais besoin d'aide. Voilà, j'ai régéné tes PV. Ok. On va repasser par là-bas. J'ai vu qu'il y avait un peu de rouge. Mais c'est pas bien méchant apparemment. Non, c'est pas bien méchant. Et il y a du matos par contre, ça m'intéresse. Ok. Par contre, il y a un fort qui est en train de se faire violer. Je vois qu'il y a du rouge un peu partout là. Ah non, même pas. Même pas de petits boss. Hein. C'est juste qu'ils sont pas très doués ici. Allez explorer la zone nord-est. Ok, j'y vais. Tu te calmes. En tout cas, la map est vraiment très jolie. Hein. Il n'y a pas à dire. Vraiment bien foutu. Matos. Matos aussi. Cet endroit là on l'a déjà exploré, mais il y a du monde là. Voilà. Il y a du matos là aussi et lui il va m'en redonner. Super. C'est par là-bas qu'on va devoir aller. Ok, par ici. Suivons le guide. Ok, on va approcher de la zone nord-est. Voilà, on y est. On va directement s'attaquer à ce fort là. R. Et là on attaque comme un sauvage. Non mais tu crois vraiment que tu vas m'avoir toi? Je vais te tuer. Tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver dans ta tête. Voilà, et puis eux là, regardez ça, je bouge pas, j'appuie sur rien. Et la méga attaque. Boum. Ah ça fait du bien ça. Elle bosse du fort, allez un petit coup, one shot. Et on n'en parle plus, et niveau 11, ça fait plaisir. Du coup, je vais récupérer ce qui traîne. Les rubis, ceci, ceci. Là-bas, on a encore du matos, du matos. Là, je m'éloigne de la zone. Donc, c'est pas bon. Oh là, il commence à y avoir du monde là, ça me prépare. Je t'ai vu, toi là-bas. Tu vas mourir. Voilà. Bah, t'es pas mort, mais. Je vais t'avoir, je vais t'avoir. T'inquiète pas pour ça. Oh, oh, il y en avait deux, d'accord. Non, 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 ça va pas se passer comme ça, mon ami. Recule. Tu baisses ta garde. Tu es mort. Donne-moi ton matos que je m'attaque à l'autre, là. Voilà, tu as baissé ta garde, c'est très bien. Recule. Voilà, tu es mort.
Est-ce que tu es vraiment mort? Oh, pas encore. Mais là, t'es mort. Ah! Boom! Ok, donne-moi ton matos. Il est où son matos? Il est où son matos? Je l'ai pas vu. Bon, de toute façon, je vais peut-être le revoir sur le chemin, moi que j'ai déjà pris. Ça, c'est tellement classe aussi. Allez. Il faut aller... Oh, il y a Sheik qui est en train de faire de grabuge aussi. Je crois qu'il était là, son matos. C'est par là-bas qu'il faut se rendre. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est bon. J'ai eu un petit moment... Oh, coup de grâce en même temps. Attention. Alors là, c'est bon. Ça, c'est parfait, ça. Bam! On défonce tout ce qu'il y a devant. Et lui au passage en même temps. Allez, ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes, voilà. Et le poulet par contre on va pas y toucher, on est d'accord? Ouais, allez, go. On va appeler la petite fée, enfin la grande fée. Le feu, le feu. Non mais laissez-moi invoquer. Ne tiendra plus longtemps, oui, bah oui. L'incendie en dommage le vénérable arbre Mojo. Éteignez-le vite. Et je suis en train d'appeler la grande fée. Il va s'éteindre l'arbre Mojo, ça va. Ils sont pressés dans ce jeu, ça va pas. Hein. Fais ton travail, grande fée. Ça, on l'a déjà vu, hein. Les petites fées qui vont chercher des nuages pour créer la pluie. Voilà, voilà. Comme ça, l'arbre Mojo ne brûle plus. Mais il a subi pas mal de dégâts. Super, on va pouvoir partir. La cocotte, on n'y touche pas. On est d'accord avec ça, parce que j'avais quand même bien galéré la dernière fois que j'avais touché une cocotte. Et maintenant, on va se diriger par là-bas. Oh, ça, un petit cœur, bon, c'est pas grand-chose, mais bon. Tac, tac, tac. Bam, chef de poste, tu vas mourir. J'ai dit tu vas mourir. Tiens. Oh, oh, il y a du monde là. J'étais encerclé quand même. Voilà, ça c'est fait. Ok, alors la caméra si tu veux bien. Toi tu vas mourir. Ah, y a, là il y a du matos. Ok, on va monter par ici. Parce que là il y a encore une saloperie. Tu vas mourir. Ah non, recule. Ah, dommage. Dommage. C'est pas grave. Recule, voilà. Et coup de grâce dans ta tête. Et tu es maintenant décédé. Donne-moi ton matos. Histoire que je me fasse les autres là. Bam. Bam. On concentre son épée et on dégomme tout. Et encore avec mon épée, je suis trois fois plus... Enfin, pas trois fois plus puissant, mais... parce que sinon, ça irait très vite. Mais j'ai une attaque par 3, hein, donc... enfin, par ici, il n'y a pas grand-chose. C'était juste pour tuer cet ennemi-là. Pour se faire du kill en plus, et donc avoir des niveaux en plus. Ça suffit, ils sont morts. On y va. Par là-bas que ça se passe. Chef de poste, ça je prends. Oh, il y a beaucoup de monde là-bas. Ça fait plaisir, on va pouvoir faire la fête. Tac, 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 tac. Toi, tu vas mourir. Voilà, tu es mort. Je vais récupérer ton matos. Voilà, super. Et on va se balader par ici. Et là, on va se faire un petit kiff. Boum. Ah, j'ai loupé le guildo, là. Dommage. C'est pas grave. Je dois attaquer comme ça. Vas-y, si tu veux. Hop, t'as baissé ta garde, je t'attaque. Oh, il y a même eu la bombe qui lui a pété la gueule. Et voilà, coup de grâce, tu es mort. Presque mort. On y arrive. Voilà, tu meurs. Avant même que tu fasses ton attaque, c'est parfait. Oh, les super flèches. Ça, c'est cool, ça. Super flèche, on enchaîne. Tu meurs. Bosse du fort. Tant qu'on a les super flèches, on peut en profiter. Hein. On se fait plaisir. Ça nous fait du kill facile. Et il y a un coffre qui apparaît au milieu de la salle. Maintenant qu'on vient de contrôler cette salle, on va regarder l'intérieur de ce coffre. Vous aurez sûrement deviné qu'est-ce que c'est. Le fragment, le quart de cœur. Le fragment de cœur. Mais c'est un quart quand même. Alors faut pas m'embêter avec ça. Hein.
Hop, on va retirer les super flèches parce qu'il y a apparemment encore un peu de monde. Mais ça devrait aller. Oh, direction là-bas. Je vois, il y a encore de l'ennemi. Ah, j'ai plus mes super flèches. On va se concentrer. Et attaquer. Et ça, c'est tellement badass comme attaque aussi. Clac. J'ai loupé le guildo, mais presque loupé. Recule. Hop, t'as baissé ta garde. T'es mort. Cette fois-ci, c'est bon. Il est vraiment mort. Matos, ici. Là, il y a un peu de monde. Hein. Il y a quand même un peu de monde. Tiens. On va se faire le chef de poste. One shot. Parfait. On va récupérer son cœur, son matos. Et ça, on va le récupérer aussi. Tout ça, ça bouge. On va rentrer. Oh, il y a Sheik qui attaque, là. Non, c'est de l'autre côté. Il y a Isero là-bas. Isero va l'attaquer. Bonjour Isero. Oh non, il s'est barré. Donc là, on va essayer d'aller au plus vite pour récupérer cet endroit-là. Avant que Goma apparaisse. Parce que je crois que c'est ce qui me faisait défaut la dernière fois. Tac. Boum. Allez, on va se dépêcher. Boum. Ah, presque. Presque. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'on peut quand même le récupérer pendant que Goma est là. Et donc l'objectif, vaincre Goma une bonne fois pour toutes. En espérant que cet épisode sera moins long que l'épisode précédent. Du coup, hein. Ouais, Goma pour l'instant, on va le laisser dans son coin. Voilà, donc là il y a l'apparition du boss. Je vais me le faire. Tu te calmes. Il est où le boss? Boss du fort. Ah bah non, il est pas. Je l'ai pas pris encore, il est là. Allez, tu meurs. Voilà, le boss du fort est mort. Donc du coup, on a pris le fort. Une petite flèche dans ta tête. Et je vais t'enchaîner comme c'est pas permis. Oh, c'est pas très efficace ça. Hein. Je vais te faire cette attaque-là dans ta tête. Bom. T'as kiffé. Et je continue de t'enchaîner. Bien comme il se doit. Je recule, je recule. Je t'ai déjà asséné pas mal de coups. Donc si tu veux te téléporter vers l'arbre mojo, vas-y. Oh. Pas encore. Ah, ça y est. Il part vers l'arbre mojo. Du coup, on va y aller. Oui, oui, oui. J'y vais, j'arrive, j'arrive. Oh, ça, par contre, je veux. Si. Ouais, peut-être prendre ça et ça au cas où. Ça peut peut-être aider. Faut juste que je me dépêche. Le monstre est arrivé dans le vénérable arbre mojo. C'est terrible. Oui, bah, j'arrive, j'arrive. En attendant, sur la map, j'ai réussi à reprendre tous les points de contrôle, ça fait plaisir. Il est là, Goma. Ok, je suis là. Est-ce que les super flèches lui font quelque chose? Non, les super flèches lui font rien du tout. Attends, j'arrive, toi. Voilà. Clac. Et on va t'asséner de coups, pardon. Clac. On continue d'enchaîner. C'est pas le meilleur moyen d'enchaîner, hein. Allez, retire un espèce d'éclair là. Non, pas ça, s'il te plaît. Ça, tu fais mal, hein. Oh, purée, il fait mal, quoi. Allez, allez. Oh, purée. Je le sens mal, hein. Cette partie-là, je le sens très mal. Parce que là, il est en train de faire mal à beaucoup de monde. Mais non. Mais t'as fini, oui. Si ça continue comme ça, bah oui, mais il fait pas ses attaques d'habitude. Voilà, c'est ça que je veux, moi. Comme ça, il a l'œil bleu et je peux l'attaquer directement. Voilà, là j'enchaîne. On continue d'enchaîner. Allez, allez. Ouais, je sais que. Enfin, Impa, il est pas. Elle est pas super efficace contre Goma quand même. Vas-y, tire ton éclair. Oh putain. Oh putain. Eh ouais, bah là, c'est sûr et certain, je vais perdre. Voilà, si tu veux. Hop. Ah, l'ennemi va s'emparer de notre base. Mais non, calme-toi. On va voir si je peux essayer de l'enchaîner comme ça. Allez, continue à attaquer. Voilà, alors là, c'est le coup de grâce. Mais ça va pas suffire pour le vaincre. Voilà, forcément. Donc, il est encore sur la place. Je vais voir si, si je peux donner un peu de... Non, je peux pas la faire. Aïe. Là, c'est un peu la merde. Je dois vous avouer que c'est un peu la merde. Voilà, tu dégages. Je crois que je suis un peu en difficulté. J'arrive. Tu te calmes.
Non, je vais pas faire ça. Tu balances ça directement dans sa tête. Je sais pas si ça va lui faire quelque chose. Oh, ça lui enlève quand même pas mal de vie. C'est cool. On continue. Enchaîne, enchaîne. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ah, ce serait cool que je puisse le vaincre d'un coup. Mais alors là, j'y crois pas trop. Tire un laser, s'il te plaît. Non, tire un laser. Parce que là, si tu refais une attaque comme ça, je suis dans la merde. Tire un laser. Tire un laser. Tire un laser. Oui. Une flèche dans l'œil et c'est bon. Normalement, il n'y a plus de problème. Il va mourir. Voilà. On a réussi à l'avoir du premier coup. Et comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez délicat. Hein, parce que le souci qu'il y a avec Koma, c'est que... quand il tire un laser, on peut viser son œil qui devient bleu avec une flèche. Mais s'il tire pas un laser, c'est un peu la catastrophe, c'est un peu la merde, quoi. Donc du coup, voilà. Ça fait plaisir. Eh ouais, Link dépité avec Impa. Je pensais retrouver son Alta Zelda. Nous avons fait fausse route. Et malheureusement, oui, vous avez fait fausse route. Peut-elle bien être? J'espère qu'elle est saine et sauve. Mais oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'elle soit pas saine et sauve. Bon, et puis ça, pareil, encore une fois, je vais le passer. Hein. Hop! Parce que ça, on l'a déjà vu, de toute façon. Voilà! Super! On a mis moins de temps pour le faire avec Impa qu'avec Shake. Parce qu'avec Shake, j'avais perdu deux fois, voilà. Épée gravée. Donc, c'est un peu la même chose. Lire de la déesse. Et grimoire de l'esprit. Super, donc on a récupéré lourde épée de Gibdo. Alors ça, par exemple, je ne l'avais pas récupéré. Acide de Goma. Bandelette de Gibdo. Et tôle de monstre. Super. Et voilà, super. Et du coup, pour ce chapitre, ce scénario, nous avons récupéré la sculptulador, le fragment de cœur et le réceptacle de cœur. Maintenant, nous allons nous rendre au marché avec Link. Badgerie. Badge d'attaque. Toujours rien acheté. Badge de défense, non plus. Badge de soutien, non plus. Ça, c'est fait. On va juste voir au niveau des ferrailleurs. Arme à renforcer. Baguette. J'avais récupéré quelques baguettes du coup. Hein. Et là, je peux mettre deux effets. Ça, c'est cool ça. Donc, on a l'effet fort 4, élément feu. Ok. C'est celle-ci la plus puissante. Sauf que les étoiles montrent que l'arme est plus puissante. Donc, du coup, élément fort 4. Et je vais rajouter élément feu. Ah, mais non. Ça c'est du 1 sur 1, là il me faut ça. Donc on va faire tac. Ouais. Arme. Tac. On va prendre élément feu, ouais. Augmente la portée de l'explosion des ennemis. Je vais prendre fort 4. Hop. Oui. Super, donc attaque fort 2 plus fort 4, ça fait une attaque. Enfin, ça fait une baguette plutôt assez badass. Puis l'élément feu, c'est une baguette de feu, donc voilà, mais bon, on aurait peut-être pu faire mieux. Mais là, pour le coup, je ne peux pas faire mieux, c'est déjà pas mal. Alors, épée à la main, 1 sur 1, matériel rare, ok. Ça, je l'avais déjà fait de façon avec Link tout à l'heure. Ok, ah, mais je suis bête, parce que regardez, si j'appuie sur ça, on peut directement changer de personnage. Donc, je suis pas obligé de retourner au début, en fin de compte. Alors, badgerie. Apparemment, je peux rien acheter encore. Faire ailleurs. Arme à renforcer, épée géante. On va peut-être rajouter ça. Alors, tac, 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 tac. Oui, ça coûte 1500, c'est très bien. Voilà, comme ça, attaque forte 3. Très bien, c'est une très belle arme. Oh, à chaque fois, je retourne au début, c'est plus fort que moi. Badgerie. Ah, là, je peux acheter des choses. Alors, on va acheter ça. Oui, super. Ensuite, on va acheter ça. Ensuite, nous allons acheter ceci. Alors, on enchaîne. Et ensuite, nous allons acheter ceci. Voilà, super. Donc là, j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait. Ça, c'est bon. Ferrailleur, est-ce qu'on peut fusionner des choses? La lyre. Donc, matériel, expérience plus. Ouais. On ne peut pas faire grand-chose d'autre que de rien faire. Changer de personnage. Donc, avec elle, Badgerie. Je ne peux rien faire et du coup faire ailleurs. Grimoire, vu que j'en ai deux, ça fait rien du tout. Et ben voilà, on a fait le tour des personnages. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode là. Et au prochain épisode, nous allons faire les gorges de l'Anel. Pour ceux qui savent ce qu'est l'Anel,
C'est un désert qu'on peut retrouver dans Skyward Sword. Voilà. Donc sur ce les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour faire donc les gorges de l'Anel. Portez-vous bien et à bientôt. Bye.